une entreprise qui fabrique des cuisines professionnelles. Ça s'est fait graduellement. La première difficulté, je pense, a été d'asseoir une certaine autorité auprès de mes collaborateurs. Donc, il y a d'abord, vous avez d'abord la période d'observation avant de pouvoir imprimer votre marque. Parce que tout dirigeant, on va vouloir imprimer ses propres originalités sur la structure, sur l'entreprise, sur les hommes de l'entreprise. Beaucoup de résistance au changement, c'est obligatoire. Donc, il faut au début, à mon sens, commencer par observer, vendre sa vision avant de faire les changements qu'il faut au moment où il le faut. L'écoute interne des collaborateurs, parce que il faut écouter ce qu'ils ont à dire, il faut les impliquer dans toute l'organisation, dans toutes ces réflexions, parce qu'ils ont des compétences parfois qui sont absolument insoupçonnées, mais le simple fait de les écouter va les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'écoute également de tous ses partenaires, les fournisseurs, les clients, le client pour le satisfaire au mieux, le fournisseur pour prendre le meilleur de ses idées, le meilleur de ses compétences. Voilà. Travailler en équipe, l'implication de tout, avec un grand T, un grand O, etc., de tous les collaborateurs. Impliquer tous les collaborateurs parce que chacun a sa propre intelligence et l'équipe, l'entreprise, l'équipe, d'ailleurs c'est la même initiale, eux, est la somme de toutes ces intelligences-là. Ensuite, il faut de la rigueur. Il faut savoir être rigoureux pour les questions régulières, pour les questions qui nécessitent un suivi. Rigueur veut parfois dire fermeté, ça ne veut pas dire être dur, mais être ferme. Mais il faut également de la souplesse. Il faut de la souplesse pour les choses qui nécessitent de la souplesse. Gérer le personnel, il faut l'impliquer, et donc il faut être capable de vendre le projet de l'entreprise à tous ses collaborateurs et les pousser à ce que chacun prenne ce projet comme étant le sien. Ça veut dire rassembler tout le monde autour d'un intérêt commun, d'un vecteur commun. Par rapport aux conflits, oui, il y en a. Il y en a toujours. Si on peut les anticiper, c'est bien. Ce n'est pas toujours possible. Mais alors, pour gérer un conflit, je pense qu'il y a deux types de conflits. Il y a le conflit personnel entre deux personnes pour des raisons de jalousie, des raisons... Je pense, à mon avis, qu'il ne faut pas du tout interférer dans ce genre de conflit. C'est humain. Et l'erreur serait que le dirigeant s'implique dans des conflits personnels. Maintenant, il y a des conflits professionnels, où chacun va aller chercher ses propres intérêts, ou en tout cas l'intérêt de son service ou de son département. Il faut pouvoir intervenir assez vite pour arbitrer. Et ça, c'est aussi une qualité d'un bon dirigeant, c'est de pouvoir trancher. C'est pas évident. Je conseillerais à un jeune qui voudrait un jour être dirigeant, diriger une entreprise, de faire une sorte de rétro-planning de sa carrière, d'écrire son CV avant qu'il n'ait lieu. Autant par exemple pour être directeur financier. Bon, je vais être directeur financier dans 7 ans. Qu'est-ce que je dois être juste avant? Etc, etc, jusqu'à pouvoir faire son choix en termes d'études. Et là, vous avez un parcours que vous anticipez, plus ou moins vrai. Vous allez vous tromper, c'est certain. Mais en tout cas, au moment de réaliser votre parcours professionnel, vous allez avoir une idée seulement, de l'axe qu'il faudra suivre. Sénèque a dit...